Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose le challenge chorégraphie. Alors cette vidéo, elle n'est pas seulement pour les gens qui font de l'aquagym avec Amélie et moi, elle est pour tous ceux qui souhaitent participer. Ceux qui font de l'aquagym ont pris l'habitude que courant avril-mai, on vous propose une petite chorégraphie en début de nos cours. Ça permet de travailler la coordination, l'équilibre, la mémoire et de nous mettre dans une bonne ambiance. Ça sent l'été qui arrive avec les danses de l'été. Alors aujourd'hui, la chorégraphie que je vais vous proposer, elle est inspirée des chorégraphies que l'on fait dans l'eau. Donc vous pourrez la reproduire dans l'eau quand les piscines réouvriront. Mais elle est surtout inspirée de mouvements qui ne risquent pas de vous blesser quand vous le faites sur terre. Voilà comment ça va se passer. Je vais vous montrer les mouvements un par un. Ensuite, on les mettra en musique et vous aurez une semaine pour vous entraîner, vous filmer et me renvoyer vos vidéos sur ma boîte mail. Je ferai un montage et je le rediffuserai sur notre page Facebook et sur ma page Facebook personnelle. Vous pourrez sur cette vidéo être déguisé si vous ne souhaitez pas qu'on vous reconnaisse ou si vous voulez vous amuser. Voilà. Alors je vous laisse jusqu'à mercredi prochain pour m'envoyer vos petites vidéos pour faire le montage. Allez, c'est parti, on s'entraîne. Alors sur nos chorégraphies dans l'eau, vous avez l'habitude qu'avec Amélie, on vous fasse épaules sous l'eau et on reste dans cette position pendant toute la chorégraphie. C'est pas forcément agréable, ça commence à faire mal aux cuisses. Alors là, aujourd'hui, comme on est tous en dehors de l'eau, on va rester bien droit, mais si vous la reproduisez dans l'eau, il faudra bien penser à garder les épaules sous l'eau. Le premier mouvement, c'est un mouvement de crawl. Donc je vais chercher devant et je tire. Le deuxième mouvement, c'est la même chose, mais à l'envers. Donc cette fois-ci, je monte l'eau en haut. Le troisième mouvement, il se complique un tout petit peu. Vous allez voir, on va faire deux mouvements de brasse sur un côté, deux mouvements de brasse de l'autre côté et on twist. On remonte et on reprend. 1, 2, 1, 2, on twist. Et cette fois-ci, quand on remonte, on lève les bras en l'air. Le quatrième mouvement, on arrive au refrain. Donc là, on va faire la presse comme ceci. Vous voyez, mes mains, mes bras sont devant mon visage. Ça, ça travaille la ceinture scapulaire, là, les pectoraux et la poitrine. Donc hop. Et ensuite, on fera deux fois d'un côté, deux fois de l'autre. On reprend. Deux fois d'un côté, deux fois de l'autre. Dans le refrain, il y a une petite coupure où on fera un, 2, 1, 2, en alterné comme ceci. Et on reprendra le refrain avec la presse et les tapes côté. Quand ça, ce sera fini, on reculera, on tourne dans un sens, on avance. Et on tourne dans l'autre sens. On réessaye. C'est parti. Je recule, je tourne. J'avance, je tourne. Et on redémarrera directement le couplet par le crawl. Allez, on y va. On fait le point sur tous les mouvements que l'on vient d'apprendre. Donc, nous avons le crawl en numéro 1. Le dos crawlé en numéro 2. Les deux mouvements de brasse associé au twist. On recommence. Je twist et cette fois-ci je remonte en levant les bras au ciel. On reprend sur le refrain, donc la presse, deux tapes côté. On aura le petit pont. Hop. Et à la fin de tout ce refrain, on recule, on tourne, on avance, on tourne dans l'autre sens. Voilà, vous avez tous les mouvements pour faire la chorégraphie. On va essayer de mettre ça en musique. Ne vous inquiétez pas, au début ça fait un petit peu peur. Il suffit d'apprendre les choses progressivement et après ça vient tout seul. C'est parti! Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Alors ne vous inquiétez pas, lorsque vous filmerez votre propre vidéo, vous pourrez me garder en modèle devant vous. Je couperai le son de toutes les vidéos pour faire le petit montage. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura amusé. Et j'espère surtout que j'aurai plein de vidéos pour vous proposer un grand montage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous vous portez tous bien et que j'aurai très vite de vos nouvelles. A bientôt.